vie. Le bonheur est à votre portée. Chacun peut s'en prendre une partie. Chacun pourrait en profiter. S'agit tout simplement de comprendre que les plus belles choses ne coûtent rien. Le soleil peut venir vous surprendre n'importe où si vous voulez bien. C'est vrai, ça? Mais seulement pour que ça arrive, il faudrait que le monde arrête de chialer. Le monde change tout le temps! Mon chat pas ci, mon chat pas là, mon chat pas ci, mon chat pas ça. Mon chat parce qu'il n'y a pas ci, mon chat parce qu'il n'y a pas ça. Le monde change tellement pour toutes les questions. Il n'y a même pas le temps de savoir toutes les questions. Pourtant, si le monde arrêterait de chialer, un minute, c'est pas long ça. Un minute! Puis si au lieu de chialer, le monde garocherait un look autour, hein? T'as dit que ça se remettrait à chialer ce robot-là. Non, c'est pas vrai! C'est pas vrai parce que si le monde regarderait, il verrait. Il verrait que la vie est remplie de toutes sortes de belles affaires gratis que t'as qu'à profiter de ça, t'en vis pas. Il arrêtait de chialer pour l'énergie puis il s'en profiterait des belles affaires gratis. Et quand on y pense deux minutes, y en a-tu des belles affaires gratis dans la vie? Y en a-tu des belles affaires gratis dans la vie? Y en a-tu? Y en a-tu? Y en a! Y en a en masse. Ben voyons donc. Je l'avais sur le bout de la langue, mais en tout cas, bon, on ne peut pas toutes les nommer, mais il y en a beaucoup. Il y en a plein, là. Ben, crème, quinquin, des la messe. C'est-tu beau, la messe? C'est beau en tabarnouche? C'est-tu gratis, la messe? Oui, c'est gratis, la messe! Comment ça, c'est pas gratis, la messe? La quête, ben non, voyons, la quête, c'est pas un cover charge. Wow, arrêtez que ça. Non, la quête, c'est pas un cover charge, la quête, voyons. On n'est pas obligé de payer la messe. Si on n'a pas d'argent, on paye pas, c'est ça. Il ne charge pas, mais ce que je ne l'ai pas chargé non plus. Je voudrais bien, ouais, charger. Et pour ce qu'il te donne à manger, Je ramène une maudite miette de beurre, t'es plus capable de l'emballer, t'es là. Tu risques ta vie à chaque fois. Et la boisson, il la garde pour les autres, hein, fait que bon. OK, la messe est gratis, c'est beau. OK, mettons, okay, on va faire une affaire. On va essayer de voir dans une journée tout ce qu'on peut. On commence par la messe. Bon, on n'a pas d'argent, la quête passe, on paye pas, tout est parfait. Oh, en sortant de la messe, aussi une autre affaire. Qu'est-ce qu'on fait en sortant de la messe? On se réveille, premièrement. Oh, quelqu'un, ça, c'est une affaire, je vais pas penser. Il y a du monde qui dépense des fortunes pour des pilules pour dormir. C'est chemin que ça coûte de l'argent. La messe, c'est gratis, c'est naturel. Non, soyez honnête. Y a-tu quelque chose de mieux qu'un bon sermon pour se taper un bon somme? Hein? Ah! Là, tu dors du sommeil digeste. Hein? Ah! Tu rentres dans l'église, moi, je me dis, tu rentres dans l'église, tu check une grosse, tu t'assieds à côté, tu t'accotes, c'est la grosse vie, c'est le bout. Bon. Faut pas demander mieux que ça. Bon. Ben, en tout cas, le reste, vous le trouverez par vous autres même. Ce qui est important, c'est de le trouver parce que, comme on dit quelque chose, si le monde n'arrête pas de chialer pour rien, qu'est-ce qui va arriver, c'est que le monde ne connaîtra jamais le bonheur. Et le bonheur, t'es mieux de le connaître parce qu'il y a un vieux dicton qui l'a dit. Sans le bonheur, t'es pas heureux. Non, ça l'est de nous, mais c'est pas de nous, pas tout. Sans le bonheur, t'es pas heureux, ça veut dire qu'il faut connaître le bonheur. Est-ce que le monde connaît le bonheur? Pas tout. Est-ce que les jeunes connaissent le bonheur? Pas du tout! Les jeunes, ils s'imaginent le bonheur, c'est une niaiserie. T'sais, on se pogne, on rit, on sniffe. Ça, c'est le bonheur, tu sais. Faut être ding-dong, penser de même. Laissez-moi vous dire ça. Certainement. On rit pas avec le bonheur. Le bonheur, c'est sérieux. Mais faut pas capoter non plus. Il y en a qui voient le bonheur, ils virent fou. Ah! J'ai vu le bonheur là-bas! Là, ça fait des crises. Ça, c'est déjà lu, ça. Puis ça, c'est grave parce que si tu fais une crise quand le bonheur est chez le voisin, peut-être qu'après, ça ne tentera plus de venir chez vous. Mais non, parce que le bonheur, il est pas fou, le bonheur. Le bonheur va pas n'importe où, n'importe quand. Le bonheur va dans les maisons jusqu'à la maison est propre. Faut qu'il y ait du manger en masse dans le frigidaire. Faut pas qu'il y ait d'enfants. S'il y a des enfants, faut pas qu'ils soient étonnants parce que le bonheur haït le train. OK, c'est correct, je m'aperçois, gars. Je parle pour rien dire. Non, je sais, le monde me regarde, il dit, regarde, les pays, ils connaissent rien, puis essaye de nous faire croire les affaires. Ça connaît rien, c'est un épais. Bon, OK, c'est vrai. C'est vrai que j'étais un épais, puis c'est vrai que je connais rien. Mais cependant, moi, vous avez une affaire, le bonheur, ça, par exemple, ôtez-vous de là. Le bonheur, ça, je pourrais vous en parler des heures et des heures et des heures. Parce que ça, le bonheur, on a entendu parler des heures et des heures et des heures. Et moi, quand ma femme n'était pas morte, t'as parlé du bonheur tout le temps.
Ei, la renta pot dir-me, "Tens guaya, bana, versi, bana, parla, pica, bana, versi, bana, bana." Ei, la seva pot vosa, que pot de joi cura de mesó, que tens que venir la bana, que tens que venir la bana. Jo dic, "La fam pot, tu vas a cuixir de bana." No, mais ma femme a parlé du bonheur parce que ma femme avait connu le bonheur avant qu'on se marie. Ah oui, elle avait connu le bonheur. Le bonheur restait pas loin de chez eux dans une famille qui s'appelait la famille Alaise. Non, puis le bonheur à ma soeur, restait là, il y avait 14 appartements, deux servantes, il ne dérangeait pas personne. Il est resté là presque 40 ans. En fait, il est parti de là, il y a quelques monsieur Alaise est mort. Oui, ça, ça a été toute une affaire. Monsieur Alaise, il était mourant sur son lit de mort. Tout à la bête, tu sais, quand t'as tout, t'as tout. Il y en a qui meurent dans la rue. Et lui, il avait son propre lit de mort. Faut être à la vie, le vicaire est avec lui, tout. Le vicaire est après donner les dernières affaires, ça vient. Un petit vicaire, t'as haut de même, à peu près. Avec des papiers babounes. Et puis avec là. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les enfants de M. Alaise n'était pas mort, là. Ses enfants étaient déjà dans la chambre d'à côté après chicaner pour savoir qui était pour hériter de quoi! Et c'est ça que le bonheur y a haï, de ces écœurants-là me reverront pas à face jamais. Ils peuvent même pas attendre que leur père soit mort. Ils vont payer pour. Il a flyé par la porte d'en arrière, ils l'ont jamais fait. Ils cherchent encore aujourd'hui. Ah oui, puis si le bonheur vient de mon bord, je ne retournerai pas chez les Alaise, ils l'ont eu assez longtemps. Non, non, puis s'il vient de mon bord, il va venir chez nous, OK? Parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup, mais moi, vous dis une affaire. Il n'est jamais venu chez nous, le bonheur. Il a rasé. Il a rasé. Il y a des fois que, hey, on était presque sûr qu'il serait là. Comme quand. Quand on s'est marié. Moi et ma femme, quand on s'est marié. Oh, on était sûr, nous autres, que le bonheur viendra faire un tour au NAS. C'est pas montré à la face. Non, non, mais il a dû savoir que mon beau-frère était là. Non, ben mon beau-frère, pas toujours des batailles des noces. Puis ça, le bonheur, il n'est pas capable, il a eu la bataille. Ben, après qu'on a été mariés, moi, ma femme, ben là, le bonheur, on l'attendait tous les soirs. C'est Bars puis attend, puis Bars puis attend, puis Bars puis attend. Puis... C'est le petit qui est arrivé. Non, ben je savais que le bonheur ne viendra pas là. Ma femme, après le petit, elle filait plus. T'sais, elle n'a jamais refilé après le petit. Ben, elle filait un petit bout, mais elle a plutôt filé un mauvais coton. Fait que... Et un après-midi, elle est tombée malade d'urgence. Alors, j'ai dit, mon chien est mort. Si le bonheur ne viendra jamais dans une maison, il y a ce qu'il y a de malade. Le bonheur haït la maladie. Fait que j'ai dit à ma femme, j'ai dit, il faut que tu prennes du mieux, puis tout. Elle était tellement contraireuse, elle est morte à la place. Puis après, je savais bien que le bonheur ne viendra pas. Le petit broyait tout le temps, il s'ennuyait de sa mère. C'est pour ça que je vous dis que si jamais je vois le bonheur quelque part, je ne le retournerai pas chez les Alaise. Je vous garantis qu'elle va l'amener direct chez nous. Parce que. Il sera temps là, parce que. En plus, que le petit il a eu 4 ans la semaine passée, alors. Ça, je trouve ça énervant, parce que je trouve que 4 ans, il est temps qu'il connaisse le bonheur, parce que j'ai peur que s'il attend trop vieux, il va avoir trop de misère à s'habituer. Puis moi-même, j'aimerais bien ça que le bonheur vienne le plus vite possible, parce que depuis quelque temps. Je commence à avoir des douleurs dans l'oreille, des affaires de même. Je me plains pas! Je sais que le bonheur, il y a ça, le monde qui se plaigne. Mais quand ça fait trop mal, ça paraît parce que je viens de mauvaise humeur, puis je bougonne, puis il y a même des fois que... Hey, bonheur, c'est toi, ça, là-bas? Hey, bonheur, on va aller à la maison, on va réveiller le petit, on va sortir des biscuits soda, le fromage, on va t'entendre, OK? Tu vas... Non, va-t'en pas, bonheur, il faut que tu viennes absolument. Bonheur, il faut que tu viennes, tu vas venir, hein? Dis-moi que tu vas venir. Bonheur, viens-t'en. Parce que moi, je m'en vais.